Donc, ce qu'il faudrait dire, c'est que c'est une journée agréable que nous venons de passer avec le département de littérature africaine de l'université Omar Bongo, qui est consacré, qui a été consacré à Tonton Fifi, tel que nous l'appelions affectueusement, qui est, il faut pas hésiter à le dire, l'un des pères du cinéma africain, sinon le père du cinéma gabonais. Et pendant cette journée, nous avons eu à près de 14 communications sur son œuvre, sur cette œuvre vue par des littéraires, et tout en sachant que le cinéma aussi, avant d'être en film, commence par être écrit. Et c'est de belles découvertes que nous avons eues, une façon de redécouvrir cette œuvre-là, et telle que souvent le public n'a pas l'occasion de la voir interprétée. Et c'est vraiment une très grande initiative et qui permet aujourd'hui de dire que, quoi qu'on dise, l'université au Gabon bouge, l'université réfléchit et repense la société. Et ce qu'il faut, moi ce que je retiens grosso modo de tout ça, c'est que Tonton Fifi, vu par l'universitaire, est un homme de culture, un homme cultivé et de culture, et qui a singulièrement posé la problématique qui a rejoint très vite la problématique de la négritude à côté des gens comme Aimé Césaire à côté. Et quand on voit par exemple l'analyse qui a été faite sur Les Tam Tam se sont tus, on est quand même surpris de voir qu'on l'a regardé le film sans toujours tirer un parallèle avec la même démarche qu'un Samba Diallo dans L'Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Donc, c'est vraiment une journée enrichissante que nous avons eue et qui mérite d'être répétée chaque fois que c'est possible pour les générations qui présentent, les jeunes et les générations à venir. Et pour ce qui était de l'IPEMAC, l'Institut Philippe Maury de l'audiovisuel et du cinéma, c'est vraiment un honneur qui nous a été fait de venir assister à cette journée. L'IPEMAC est une des composantes de EM Gabon Université. Et donc, nous sommes venus présenter l'IPEMAC et nous avons eu l'occasion de rencontrer, d'échanger et de voir avec, au niveau de l'UOB aussi, ce qui se fait dans le même cadre. Et je pense que c'est un... c'est une rencontre enrichissante. Et ce qui est formidable au sortir de tout ça, c'est l'engouement des jeunes, de la jeunesse. Je crois que vous les entendez encore crier derrière. C'est vraiment de voir qu'il y a une jeunesse qui est de plus en plus engagée, parce qu'en vérité, c'est ce qu'ils ont quelque part aussi relevé. C'est-à-dire que non seulement Philippe Maury est un engagé par rapport à la thématique de la négritude, mais aussi par rapport au thème de la sauvegarde des traditions. On a découvert avec sa fille, par exemple, que moi, je le côtoyais tous les jours. Il m'a jamais eu l'occasion de me le dire, mais que c'est un imam du Bouti. Alors que on le voit à la peau métisse, on peut penser qu'il est hors de ces choses-là. Mais je sais par contre aussi qu'il était dans la danse, le culte au Kukwe, dans des niveaux élevés. Donc vous voyez que
C'est ce message, c'est cet engagement pour que nous essayons de trouver le juste milieu dans la recherche, dans la sauvegarde de notre identité culturelle, dans les mutations de la société présente, surtout dominée par les valeurs que l'Occident nous impose tous les jours à travers des masses médias qui sont dominateurs par rapport aux moyens que nous nous mettons aussi pour avoir des masses médias qui entretiennent nos populations. Centre de recherche en esthétique langagière africaine a célébré, c'est le cas de le dire, la troisième édition de ces journées d'études consacrée à une figure importante de la culture gabonaise et notamment de la culture cinématographique. Il s'agissait en l'occurrence de parler de Philippe Maury. Et ce qui s'est passé, c'est que de tout ce qui a été fait, donc, c'est-à-dire les différentes interventions dans les différents panels où il fallait parler de l'imaginaire culturel gabonais, de l'œuvre de Philippe Maury, l'œuvre cinématographique et son rapport à la littérature, ou alors le regard en miroir entre littérature et cinéma, l'essentiel, je pense, la substance de ce qui s'est dit ce matin, c'est que Philippe Maury est resté un auteur, un cinéaste très ancré dans sa culture ou dans ses cultures gabonaises. Il a essayé autant que faire se peut de mettre en relief ces différentes cultures à travers son engagement, engagement culturel bien entendu, mais engagement politique, engagement social. Et nous avons aujourd'hui pu assister à la découverte aussi d'autres facettes de ce grand homme que le commun du public ne connaissait pas nécessairement, et notamment avec les témoignages des acteurs ou des agents culturels qui l'ont côtoyé de son vivant. Je pense notamment au témoignage de monsieur Henri-Joseph Koumba Bididi, n'est-ce pas? Je pense au témoignage de madame Hortense Maury, qui est sa propre fille, et à celui de monsieur Akaga, qui sont venus éclairer, si vous voulez, tout ce qui s'est dit autour de son œuvre du point de vue scientifique, les rapports entre littérature et cinéma, la technique de création chez Philippe Maury, la dimension culturelle de son œuvre, et puis aussi, comme je l'ai dit, l'engagement de l'homme social, n'est-ce pas? L'engagement de l'homme politique, l'engagement d'un homme déterminé, d'un homme dynamique, un homme entier, qui n'avait pas, n'est-ce pas, qui ne vivait pas à moitié et qui n'était pas tiède. Et pour ceux qui l'ont connu et ceux qui ont regardé son œuvre, ceux qui continuent de regarder son œuvre, ils vont bien voir que chez Philippe Maury, il y a cette intensité qui consiste à mettre en avant les cultures gabonaises à travers ses différents films, que ça soit La Cage, que ça soit Les Tam Tam se sont tus, ou alors des films qu'il a fait un peu plus récemment dans le temps. Je pense notamment aux Couilles de l'éléphant, Le Collier de Makoko, et puis quelques documentaires aussi d'ordre social, n'est-ce pas, qui montrent suffisamment le degré d'implication de Philippe Maury pour ce qui est des défenses de la culture gabonaise. Et vous savez, célébrer une figure comme Philippe Maury était pour le département de littératures africaines de l'UOB un devoir. Parce que malheureusement, ce type de figure dans notre pays
a tendance à sombrer dans l'oubli du grand public, dans l'oubli des jeunes générations, alors que ce sont ces figures-là, et en l'occurrence Philippe Maury, qui a au fond matiné, n'est-ce pas, d'une patte nouvelle, ce septième art gabonais, qui malheureusement depuis son départ a quand même du mal à décoller. Et donc, nous sommes dit au sein du département qu'il fallait absolument interroger l'œuvre. Alors, cette interrogation ou ces interrogations sur l'œuvre Philippe Maury et de son rapport à la littérature ou de son rapport à la culture, nous l'avons fait autour des étudiants, autour des doctorants. C'est pour aussi dire que le département de littérature africaine et le centre en esthétique langagière africaine, c'est-à-dire le laboratoire principal du département, a aussi l'ambition de mettre les jeunes Gabonaises et les jeunes Gabonais le pied à l'étrier pour que plus tard, s'ils désirent rentrer de plein pied dans la recherche, eh bien, qu'ils aient déjà, n'est-ce pas, des rudiments de la recherche, parce que c'est aussi des exercices académiques qui leur permettent de se situer et de voir, n'est-ce pas, à quel niveau ils se trouvent quand il s'agit, n'est-ce pas, de discuter à travers des notions, des concepts propres à tel ou tel paradigme. Donc, voyez-vous, cette journée qui finalement, au fond, a permis à tout le monde culturel de la littérature africaine et en dehors de la littérature africaine, parce que nous avons eu, comme je vous le disais, la présence d'un certain nombre de personnalités culturelles, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec la littérature, mais qui ont souhaité accompagner, n'est-ce pas, nous faire l'honneur d'accompagner cette cérémonie d'aujourd'hui à travers leurs témoignages, à travers leur présence. Et puis, nous nous sommes rendus compte qu'au fond, finalement, ce sont des espaces de médiation dont on a besoin au Gabon, mais qui, hélas, n'est-ce pas, font souvent défaut. Pour tous ceux qui s'égarent, qui prennent leur boussole afin de retrouver leur chemin, malgré le désespoir, ils parviendront à leur fin, même si ce n'est pas en toi le portant. La boussole par son aiguille nous indique toujours la direction du nord, le sud, l'est et l'ouest se dessinent. Vas-y, quitte tes pas au pont de sombre. La voie toujours quand on se cherche est pour tous une chose sonore. Si t'es perdu sur ta boussole, c'est bien de peur. Le département de littératures africaines et le centre de recherche en esthétique langagière africaine viennent de rendre un vibrant hommage au père du cinéma gabonais, pour le nommer Philippe Maury. Effectivement, c'était une journée riche en couleurs, pleine d'émotions et riche en témoignages. Ce que nous pouvons retenir et ressortir de cette journée, c'est finalement que l'œuvre cinématographique de Philippe Maury est immense, d'autant que au travers de ses films, ce grand artiste aux multiples talents et aux multiples visages nous invite à nous réapproprier notre identité culturelle. En réalité, cette identité culturelle se trouve normalement menacée par la modernité. Et c'est pourquoi, dans la plupart de ces films, il est urgent, normalement, de revisiter et de s'approprier cette identité culturelle. Apparemment, les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent plus la langue de nos pères. Mais qu'est-ce que vous savez? J'entends mon nom partout. Philippe Maury par-ci, Philippe Maury par-là. Mais pourquoi pleurez-vous? Philippe Maury a tué. Philippe Maury n'a qu'un dit. Moi, Philippe, mort? Je ne crois pas.
Essayez-les. Je suis quand même déçu parce que je crois que vous n'avez pas bien compris les choses. Pensez-vous qu'un poète peut mourir? Pensez-vous que moi, Philippe Maurice, je peux mourir? Écoutez, je vous ai laissé l'essentiel. Ok, alors? Ah, quand même, il y a quelques-uns qui gardent l'essentiel. Écoutez, préservez la culture. Père, instruisez vos enfants. Mère, faites-en autant. Moi, Philippe, il a fallu que je m'en aille quelque part, vous en voulez. Parce que je sais que la jeunesse africaine, que dis-je, la jeunesse camerounaise va prendre le relais. Construisez l'Africain, c'est le plus important. Honoré, Rwando, Mikaela, vous en voulez. Mikaela. Thank you.